Alors, vous m'aviez dit à l'instant que vous connaissiez Ibo au travers de la télévision. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Eh bien, c'est sa vérité, sa franchise. Il disait tout ce que les gens disaient tout bas, il le disait. Ce que les gens ne voulaient pas dire, il le disait. Aujourd'hui, ce que je peux dire de Ibo, c'est qu'il a développé au niveau de la radio, la télévision. C'est lui qui a plus ou moins permettre aux jeunes d'entrer dans l'audiovisuel. Et au niveau, ce qu'on peut dire de Ibo, c'était un grand homme. C'est lui aussi qui a aujourd'hui qui fait que beaucoup de gens se sont lancés dans la politique. C'est grâce à Ibo, parce que c'était un rang qui était réservé aux médecins et aux avocats. Et Ibo a permis que tout le monde puisse venir aujourd'hui dans la politique. Alors, dans ces interventions télévisuelles, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Eh bien, un peu tout, hein, un peu tout quand il s'est lancé, un peu tout par rapport à sa vérité, sa franchise, sa manière de faire la télévision, sa manière de parler au peuple. Voilà quoi. Et au niveau politique, alors il n'est pas resté très longtemps en politique, mais qu'est-ce que vous avez pensé de son passage ? C'est-à-dire que Ibo, au niveau de la politique, il a ouvert une porte. Il a ouvert une porte pour permettre aux autres d'entrer dans la politique. Ce que je peux retenir de lui. Bon, ce que je peux retenir aussi, c'était l'homme, quand il faisait une conférence, il y avait plus de 3000 personnes. Voilà quoi. Vous êtes triste aujourd'hui ? Je suis vraiment attristé de sa mort parce que c'était un grand homme. Il a fait beaucoup pour la Guadeloupe. Il a aidé beaucoup de personnes. C'était pas un homme qui courait derrière l'argent. C'était un homme qui avait un cœur. Il distribuait ce qu'il avait. Bien, merci. Ibo Simon, ça représente quoi, Bao? Ben, Ibo, en principe, c'est un bon. En depuis petit, en vrai Ibo, c'était un des carrés de plateau, mon mat, Ibo, c'était un carré Desi, c'était encore un cordonnier. Et Desi, tu as trouvé que Ibo était ouai, mais le premier bidon qui a attiré M. Ibo, c'est l'un des premiers pour envoyer une salle qui est Lox, Guadeloupe. Et puis par la suite, Tony vestimentaire aussi, tu as compris, montre qu'il n'y a rien à vrai vers style que nous te connaissons. Et par la suite de là, on a toujours été approché de Ibo, de Kaiwa, de Zi, qui a parlé éveil. Et puis par la suite, il est reparti en France. Et ensuite, il est venu retourner, envoyé ici Canal 10. Et depuis, on a toujours été suivi. Parce que, en quelque sorte, dans ça, il a dit, tu as senti qu'il tenait des paroles véridiques, mais que nous te ressentir ça, mais nous ne pas dire ça fort. Et lui parle bien d'elle, il te dit ça fort pour nous. Le fait que vous mettez des pouilles en kiosque là, c'est la base de la victoire, c'est important. Il te mérite. Il te mérite, même puisque tel n'était pas les vents, mais il a dit que après vélo, c'est le deuxième homme qui vient coucher là. Donc ça justifie que place là, ça faut vraiment mériter pour venir coucher là, pas n'importe quel monde qui décide de venir coucher là. Donc il te mérite haut la main, puisque en cas dit après. C'était unique pour la Guadeloupe. Nous ne pouvons rien dire de Simon. Un mot pour parler de Ibo. Un mot, un seul mot. C'est un combattant. Yes. Pourquoi là, on soit là? Ben, à la main, nous avons un grand nègre pour cela. Hein? Mm-hmm. Parce que nous sommes tous conscients que Ibo, c'est un grand nègre. Hein? Nous sommes tous conscients que Ibo, c'est un grand nègre Guadeloupe, quoi. Et moi, en tout cas, je suis là aussi. Parce que... mettre Ibo Simon là, comme ça, oui. À la place, il méritait. Oui, il méritait ça même. Mais je ne trouvais pas dans le monde là. Pour ça, pourquoi j'ai fait pour payer là ça. Parce que son beau cas représenté nation Guadeloupe. Oui. Guadeloupe. Absolument, même. C'est un vrai nègre même. Vous voyez, tenir un témoignage à nos amis à moi, Viviane Dagouille, en tout cas, parlé l'après-midi là. J'ai dit que Ibo, aille en Afrique. Moi, en étant joué Ibo en France, avec Guy Conquête, avec Polo Amintas, c'est là qu'on connaît Ibo. Après, on a retourné Guadeloupe. Il y a des Ibo, quand tout le monde était en Loxa, il était à bicyclette. Et moi, j'étais arrêté la Tour Fédèbre, en tant que ça. Par moi, j'étais dans cet appartement, j'étais arrêté là. En ce moment, mais on s'est beaucoup lamenté. Mais j'étais arrêté en ce moment là. Et c'est là qu'on connaît Ibo. Et moi, comme je suis musicien, automatiquement, j'étais intéressé moi, à musique à Ibo. C'est pour ça qu'on t'a connaître justement tout ça est fait avant. Quoi. Un mot pour présenter, représenter Ibo pour vous? Pour
En passant quand des mais c'est un nègre fondamental. C'est ça le but de Bédou. Fondamental même. C'est ça quoi qu'il y a un nègre. Et en bas, quoi, nous devons notre conscience. En bas, quoi, parce qu'on va voir ça bon côté. C'est vraiment un nègre fondamental. Ok. C'est bon. Yeah. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Oui. C'est ça. Et bon. Merci. D'accord. Quel est votre rôle ici ce soir? Eh bien, ce soir, on est venu donner un coup de main, puisque effectivement, je suis la vice-présidente de l'association ABSS. Et voilà les membres bénévoles qui accompagnent cette action de solidarité envers Ibo Simon. Donc, on est là en coup de main en tant que Guadeloupéen et conscient que, bon, voilà, on est tous obligés de passer par ce chemin. Votre présence, c'est en forme de solidarité ou bien est-ce qu'il y a quand même quelque chose par rapport à Ibo Simon? Ben, Ibo Simon, c'est toute mon enfance, il faut parler de moi-même. Où on a été conscientisé, quoi qu'on en dise, après, à chacun de voir ce qu'il pense de ce qu'il disait, mais on a pu voir, comme on est tous d'accord pour dire que c'était un visionnaire, et je compléterai en disant que grâce à lui, le métier que j'exerce aujourd'hui, qui est l'accompagnement, qui consiste à accompagner les jeunes, c'était justement une façon de conscientiser et d'aider les plus petits à devenir grands. Le père qu'on ait mis sa dépouille dans le kiosque parce que la victoire, pour vous, c'est un élément important, ça? Eh bien, ça nous rappelle un peu Vélo, on était petit là, Vélo mort. Et c'était un peu la même ambiance. Et c'est symbolique parce que place de la victoire, comme ça porte son nom, c'est la victoire. Donc, ça veut dire qu'on a pris conscience que c'est un grand homme. C'est pas c'était, mais c'est un grand homme. Et qu'on est là pour continuer à apprendre de ceux qu'il a prôné. On est en train d'écouter sa musique. Tout ce qu'il a dit dans ses paroles, moi j'ai eu ma mère pour me transmettre cette musique-là. Eh bien, c'est ça. C'est la transmission, c'est la conscientisation. Et on doit continuer le chemin et poursuivre le travail. Un mot, s'il fallait un mot pour présenter Ibo Simon, ce serait ? Combativité.